Voilà, je vais recréer un niveau qui correspondra, je pense, au niveau 1 du jeu. En fait, c'est plus une sorte de brouillon pour essayer de déterminer l'aspect graphique des premiers niveaux. Et ça a permis de tester une autre façon de créer les assets. Donc, voilà. Ce que j'ai essayé de vraiment de recréer, c'est la parallaxe. Parallaxe intéressante. Enfin, c'est le fait que les différents éléments bougent à des vitesses différentes en fonction de la profondeur de l'endroit où ils se trouvent par rapport à la caméra. Plus ils sont éloignés et plus ils se déplacent lentement. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est du depth of field, enfin du depth pour que ces éléments qui sont éloignés soient vraiment flous, en fait. Chercher le mot. Pour que les éléments soient flous. Quand ils sont très éloignés, ça permet d'être plus clair sur l'endroit où se déroule l'action par rapport au joueur. Et là, les assets, je suis assez content. J'ai pu vraiment créer des choses assez détaillées assez rapidement, enfin plus rapidement que la dernière fois, et ça m'a ouvert un certain nombre de possibilités. J'ai pas encore tout testé, mais il y a des choses pas mal à faire en 3D à réutiliser pour de la 2D ensuite. Ça permettra d'aller un petit peu plus vite que. Ça, je pense que le premier niveau aura un peu cette allure, même s'il manque énormément de choses encore par rapport à ce que j'ai en tête. C'est vraiment l'objectif de tout ça. C'est d'avoir un certain nombre de choses au brouillon pour aller beaucoup plus loin lors de la phase de production ensuite. Et donc là, c'est vraiment l'aspect graphique, c'est vraiment ce qui me motive. En attendant de rajouter toute la partie quête, et en parlant de la partie quête, le personnage, hop, celui qui est là, parce qu'on approche, voilà, normalement il y a un texte à lire, parce que c'est lui qui va donner les infos pour la suite de l'action. Ça va être le tout premier niveau, on va dire, enfin le brouillon du tout premier niveau. Et lui, c'est un personnage de la BD, donc voilà en gros. Certaines choses, et il restera plus qu'à refaire tout ça dans Unity après. Donc, voilà, la suite bientôt, peut-être plus de personnages.